Bon allez les gars, là cette fois-ci je vous passe un petit morceau de rock soft tranquillou et tu vois que les Ellipsons, c'est là qu'elles elles sont bonnes, elles sont bonnes. Franchement elles sont agréables à l'écoute. Moi je veux, tu vois même en situation d'écoute proche là, Nearfield, et eh ben c'est super agréable. Franchement elles sont agréables de ouf. Et je te dis sur du blues rock, metal, les sons qui envoient, tu vois, qui sont assez vivants, et eh ben avec elle, ça passe nickel. Franchement, les gars, je vous le dis. Hein. Pour ça, je vais pas écouter. Alors, c'est vrai, dans le tempérament de l'enceinte, c'est bizarrement, je vais pas écouter des sons, tu vois, où c'est acoustique. Tu vois, je vais pas être dans la mollacité. J'ai envie de les faire vivre. Et tu vois, c'est bizarre. Hein. Mais c'est qu'une enceinte est vivante. Elle est vivante, tu vois. Elle a une âme, elle a un esprit, elle te dégage quelque chose. Et c'est ça toute la force des enceintes, les gars. C'est ça qui donne toute la magie de la hi-fi, hein. Putain, j'en crache partout, la vache. Bon, je vous fais écouter le petit son et vous me direz ce que vous en pensez après. Allez, c'est parti. I'm here to take a bullet, standing by your side. I'll do anything for you, anytime. Carry you on my shoulders, a little heavy as time goes by. You know it's not forever, but for a little while. Little Lucifer, Lucifer, hold on. Little Lucifer, the day's yet to come. Little Lucifer, Lucifer. The flow as you and your wild heart sister running further down the road. Let the bullets beg for forgiveness, keep the punks under the thumb. Let's dance with the dandelions while they sing your song. Little Lucifer, Lucifer, hold on. Little Lucifer, the day's yet to come. Little Lucifer, Lucifer, little Lucifer, many miles to walk on. Are the kids.
les amis, cette petite écoute m'a plu, et tout en écoutant la musique, tu vois, j'avais une petite part de philosophie qui était dans ma tête. Et je me disais, bah tu vois, moi qui suis vraiment à fond dans la hi-fi, tu vois, je suis vraiment un psychopathe de la hi-fi, je kiffe ça de ouf. Et tu vois, j'étais en train de me dire que tu vois, aussi bien tu vois, des enceintes modernes que des enceintes vintage, et ben tout ça, dans tout ça en fait, il y a du bon partout les gars. Franchement, je vous dis, il y a du bon partout. On peut pas dire le moderne c'est pourri, le vintage c'est pourri, c'est trop vieux, tout ça ou quoi. Chaque chose appartient à son temps, il faut respecter tout ça en fait. Le truc c'est que tu prends du plaisir en fait avec toutes ces bonnes choses là, que ce soit dans l'ancien, que ce soit dans le moderne. De toute façon, tout a une nostalgie, tout a une histoire, et je trouve ça fabuleux. Franchement, c'est fabuleux, les gars. Voilà, tu vois, c'est sur l'instant présent, avec les enceintes, le rapport que j'ai eu, là, j'ai eu un rapport, tu vois, il s'est passé un truc, voilà. Et là, je vous le dis, en fait, tu vois, donc par rapport à la pensée que j'ai dans la hi-fi, et le fait d'avoir, tu vois, des enceintes, bon, là, celles-ci, elles sont modernes, elles sont pas vieilles. En enceinte moderne, c'est vrai, j'en ai pas beaucoup. Et par ailleurs, j'aimerais aussi vous faire avec des amplis modernes. C'est vrai que moi, j'utilise toujours mes anciens amplis, pour certains qui étaient du haut de gamme de l'époque, tout ça, du bon matériel. Et j'aimerais aussi vous faire des vidéos avec des amplis d'actualité. Le problème, c'est que ces amplis-là, il faut les acheter. Si j'aurais pu me les faire prêter, ça aurait été mieux. Mais voilà, moi, tout le matos, il faut que j'achète. Et après, bah, tu vois, c'est galère, surtout pour vous faire des comparatifs. Mais sinon, ce sera avec plaisir. Tu vois, ne serait-ce que, par exemple, pour vous dire quel ampli irait bien avec ces enceintes-là, dans les amplis modernes, on va dire, à tarif budgétaire, on va dire, en dessous de 1000 euros, ou même 1000, 1500 euros, tu vois, dans un ampli intégré, pour voir qu'est-ce qui s'associerait le mieux avec ces enceintes-là, tu vois, je perds mon équilibre. Donc voilà, il y a vraiment des choses à faire. C'est dommage que j'ai pas assez de temps, pas assez de moyens non plus pour vous faire tout ce que j'aimerais vous faire découvrir, mais j'ai énormément de choses dans la tête, si vous savez. C'est incroyable. Donc voilà. Voilà les gars, cette petite vidéo là est terminée. Je sais pas si je vais avoir le temps de vous passer d'autres styles musicaux, des styles musicaux, tu vois, que j'apprécie avec ces enceintes là bon, après je peux vous passer un petit jazz, un petit on va voir, je vais vous passer, on va réfléchir, et voilà les gars. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire les enceintes, si elles vous plaisent déjà de prime abord.